Robbie Dollar, boisson peut pas finir, mais boisson peut nous finir. Meilleur au meilleur, me matching est meilleur. Meilleur au meilleur, bâtonner me manie au meilleur. L'agent au l'agent, j'aime les gens. Les gens, donnez-moi les gens. Au pays de nos ancêtres, l'alcool le règne en maître. On boit même sans argent, on a la boisson dans le sang. Que l'on se sous la gueule, même si après on s'engueule. Que nous on boit nos pierres, qu'on soit triste ou qu'on soit fier. Meilleur, meilleur, donnez-moi les gens. Meilleur, meilleur, me matching est meilleur. Meilleur, meilleur, ma tonne me maille au meilleur. L'agent, l'agent. En ce moment, moi, je n'arrive pas à comprendre. Parce que je sors de la maison comme ça et rassure-toi que Vanessa m'a plutôt dit que vous n'avez eu aucun problème. Qu'elle est venue, que tu es venue à la maison prendre l'enfant simplement. Elle faisait le seul reproche à l'enfant que l'enfant ne veut rien faire à la maison, que l'enfant ne lave rien. Et tu as cru. Depuis que tu me racontes tes choses, là, sur les t'écoutes. Non, et mais tu as cru. Attends, ce n'est pas que j'ai cru, c'est que je me pose la question. Comment l'enfant peut se retrouver avec toi alors que j'ai laissé l'enfant à la maison? Bébé Naël. Cette fois-ci, je vais te parler sans revenir dessus. Je ne reviendrai pas sur mes mots. Parce qu'après ceci, je ne veux plus voir cette fille dans ta maison. Je ne la veux plus. Quand c'est trop, c'est laid. Je ne veux plus d'elle. Rob, l'enfant m'appelle. J'étais moi en train de faire mes choses. J'avais même mes choses. J'ai même tout abandonné. L'enfant m'appelle que depuis le matin, elle n'a pas mangé. Elle a fini de faire les travaux. Elle a même fini de préparer avec ta domestique là. Mais après maintenant, elle est là à manger. Elle ne lui donne pas à manger. Elle ne donne pas à manger à mon enfant. Donc mon enfant est devenu esclave dans la maison de son père. Mon enfant est devenu le totem. Donc je ne sais même pas ce que je vais dire. Donc mon enfant est seulement devenu une bonne. Mon enfant ne fait plus, ne peut plus manger dans la maison de son père parce que Vanessa dit que l'enfant va manger quand elle va vouloir. Je pense sur moi de me rendre là-bas. Je me déplace, je vais sur place. Croyant même qu'elle sera effrayée par ma personne. Tout ce que ta sorcière trouve mieux de faire, c'est de m'accueillir en me disant que entre tu prends ton machin, tu sois avec. Donc c'est Vanessa qui décide que mon enfant sorte de la maison, Rob. Tu n'as plus les couilles dans ta maison. C'est devenu quoi? Elle me demande de prendre mon enfant, de partir avec mon enfant. Je lui ai dit que je ne te laisse pas avec l'enfant. Tout simplement parce que j'ai peur de la sécurité de mon enfant. À te voir là, je sens que tu peux empoisonner mon enfant. À la lue où vont les choses là. Mon enfant est en danger entre tes mains. Donc je préfère partir avec mon enfant. Donc tu viens me raconter là qu'elle vient de... Donc je pourrais venir prendre l'enfant pour rien comme ça. Écoute. Je t'avais dit que je voulais garder l'enfant avec moi. Est-ce que tu peux te taire? Non, arrête un peu ça. Je ne suis pas là pour te juger. Chasse l'histoire là. Dire, écoute, j'ai compris. Chasse là. Écoute, on va faire les choses. Elle se prenait un peu trop la tête. J'ai dit donc qu'on va faire les choses de façon simple. Ce qu'on va faire, c'est quoi? Ton type là, le mbenguiste là, il est encore au pays, non? Je ne veux pas connaître. Voilà. Toi et moi, on a eu à parler de ça dernièrement. Ne me dis pas que tu ne veux pas connaître. On a eu à parler de ça et on est tombé d'accord sur un point. Joue le jeu avec lui. Mais le jeu que tu vas jouer consiste attends, en quoi? Attends. Écoute un peu, écoute-moi. Donc je tu es sérieux que je devienne un objet? Je ne t'ai pas dit d'être. Je ne t'ai pas dit d'être un objet. Non, le jeu c'est là. C'est pour notre bien. Arrête un peu ça. Quel bien? C'est pour notre bien. C'est juste, n'est-ce pas, il a décidé de venir draguer la femme d'Europe. Reste tranquille, joue le jeu. Fais comme si tu étais d'accord avec le fait que tu voudrais voyager avec lui et tout. L'argent qu'il va te donner pour faire les papiers et tout. Exige même encore un peu plus. Dis-lui que toi-même, tu as ton réseau de voyage. Comme ça, là, dans ce réseau de voyage-là, nous allons voir comment réunir cet argent-là avec ce que je vais aussi prendre chez l'autre-ci. On va voir comment aller prendre un appartement quelque part et commencer un business, lancer un investissement quelque part. C'est tout. À ce rythme-ci, moi, je ne veux pas continuer de vivre ce que je vis. Je te connais elle. Avec les projets de bouche qui ne sont jamais réalisés, Rob. Est-ce que cette fois-ci, les projets-là seront réalisés? Oui, ça, je te parce le que dis. Si c'est pour faire les projets sur non, les plans non. Comme ça, là, ce sera, tu es fort. Ce sera réalisé, mon bébé. Et depuis que vous êtes parti, elle a quand même pu manger, non? Donc, toi, tu vois qu'elle peut rester l'enfant, je ne lui donne pas à manger. D'accord. J'espère que comme tu es venu prendre mon enfant non, et que je tu t'en vas là, quand je vais arriver là-bas, je ne vais plus trouver cette pas à la maison, non? Hein? Voilà ça. Je ne te suis pas. Même mon enfant en sécurité, tu parce que si mon partir. Enfant a quelque chose, a un problème. Tu veux déjà aller vivre avec ta mère? Voilà, on va donc à la maison.
On n'abandonne pas le combat. Rassure-toi que mon enfant soit en sécurité. Je te dis ça. S'il arrive quelque chose à mon enfant, entre tes mains, robe. Ce n'est pas ce qu'on parle ici. Ta banane, c'est toi. Je vais vous découper. Il n'y a pas de problème. Je vais vous manger. Écoute, fais ce que je t'ai dit là. Active le réseau là. Active le gars là. Tout à l'heure, là, appelle-le. Tu comprends un peu? Si vous pouvez vous rencontrer, mais ne vous rencontrez pas dans des endroits fermés parce que je les connais. Ne donne pas les conditions. Ouais, laisse-moi parce que un peu parler. Arrête un peu. Fais ça, comme ça, je vais faire. Qu'est-ce que j'ai dit? Je suis obligé de jouer le jeu. Je t'ai dit de faire quoi? Peu importe, je dois encore en profondeur dans le jeu s'il le faut. C'est quoi? Quand toi, tu ne me fais pas confiance. Mais moi, je joue le jeu. Mais moi, je te fais confiance. Fais-moi aussi confiance. Ouais, j'ai dit donc. C'est aussi moi la femme. Qu'il te remette de l'argent. Exige même peut-être même un million cinq comme ça pour remettre l'argent aussi, il y a des conditions souvent qu'on pose. C'est pas ça que j'attends de toi. Arrête de discuter. Laisse d'abord l'autre côté. Là, que voilà mon enfant que je te donne. Bébé, voilà mon enfant que je te donne, Rob. J'ai compris. C'était bon. Va à la maison, rentre. Je vais régler la situation là avec Vanessa. Il faut que je tire les choses au clair. Elle ne peut pas continuer. Elle ne peut même pas continuer de me marcher dessus. Ouais, comment elle fait là? Tu es en train de parler ici avec qui? Ça va là-bas lui chérie, dire. Vas-y. On se voit. Tu appelles le type là et tu fais ce que je te dis là. Bébé Naya Baye, ne baisse pas les mains. Terrorise cette Vanessa là. Sorcière comme ça. Là. Donc tu es revenu avec ton totem là ici. Attends, l'enfant de qui tu appelles totem? C'est ma fille que tu traites de totem? Notre enfant? Quel notre enfant? Hein? Elle ne serait jamais mon enfant. Quoi? Attends, peux-tu être normal dans ta tête même? Tu m'as pas dit ici. Elle ne serait jamais mon enfant. Tu m'as dit quoi ici? Dans cette vie ou dans une autre vie, elle ne serait jamais mon enfant. N'est-ce pas? Tant qu'elle va me manquer le respect, comme elle me manque le respect là. Vanessa, qu'est-ce que tu m'as dit ici avant de partir chercher Naël? Tu m'as dit qu'il n'y a pas eu bisbille entre sa mère et toi, non? Qu'il n'y a pas eu d'histoire. Tu ne l'as pas dit? C'est tout le contraire qu'elle m'a raconté. Hein? Ouais. Oui. Oui, comme d'habitude, tu t'es rendu de son côté. Oui, mais parce que c'est la vérité. Tu sais qu'elle dit la vérité. Tu ne peux pas te comporter comme ça. Attends un peu, c'est ton égal? Hein? Notre enfant qui est chez ta mère, là, si c'était lui qui était à sa place, si tu allais te comporter comme ça? Qu'est-ce qui ne va pas? Sauf que lui ne manque pas le respect à ses ennemis. Je t'ai dit quelque chose. Tu n'es pas en compétition dans cette maison avec ton enfant. Ça, ce n'est qu'une enfant. Tu comprends un peu? Tu ne peux pas punir un enfant, tu ne lui donnes pas à manger. Je suis désolée, donne l'éducation à ton enfant. Tu es là pour faire quoi? Ton rôle, c'est lequel dans ma vie? Tu n'arrives pas à donner à manger à l'enfant? Tu refuses à manger? Regarde, l'ange qui est assise là. Tu lui refuses à manger? Elle est seulement pour manger. Elle est née pour quoi d'autre? Quelle éducation tu donnes à l'enfant à pas manger? Qu'est-ce qu'elle doit faire? Je ne corrige pas, je ne la corrige pas quand elle se comporte mal. Je ne corrige pas ses mauvais défauts. Tu veux quoi? Sauf que tu montes cet enfant contre moi. Quand je te dirais, je te dis que l'enfant a laissé se comporter comme ça, tu n'acceptes pas. Tu acceptes pas ce que sa mère dit. Dans tous les ça cas, dit que moi, je suis il n'y a pas de problème. Moi, je l'ai donc ramené ici. Et tu vas devoir l'accepter dans cette maison. Ça, je te l'ai dit. Tu vas devoir l'accepter. Moi, je ne peux pas vivre ici et ma fille vit ailleurs. Dans tous les cas, ici, c'est le chez moi. Au mieux, c'est le chez nous. Dans ce cas, dans quoi? Qu'elle respecte mes principes, les principes de cette maison. Parce que toi, tu me respectes beaucoup. Qu'elle respecte, je n'ai pas dit le contraire. Je ne lui ai jamais dit. Elle est sa mère. Je ne lui ai donc jamais demandé de manquer de respect. Sa mère n'arrive plus ici comme elle veut, quand elle veut. Mais elle dit très bien qu'elle fait les travaux ici à la maison et tu veux toujours faire comme si elle les faisait pas. Tu es là quand elle fait ces travaux-là. Tu es là. Dans tous les cas, bébé Naël. Je ne veux plus voir, je ne veux plus entendre dans cette maison-ci que tu as manqué de respect à ta mère. Est-ce que tu as compris? Non. Je ne veux plus comprendre ça. Quand tu restes ici avec elle, comme je vais sortir là, c'est ta mère. Vous restez et vous restez en paix, vous vivez en paix. Ok? Oui, papa. On s'est bien compris? Oui, papa. Okay. Moi, je vais prendre des vêtements là au pressing, je reviens et puis voilà, c'est ton enfant. C'est le chez elle ici. Si tu as décidé que je sois ici avec toi, elle doit être où je suis. Je ne vais plus entendre ça. Je ne vais plus. Plus jamais. Ok.
Qui a gagné? C'est toi, moi. Telle fille, telle main. Comment elle fait? Ça y est, quoi, il y a tout le monde dans cette maison. Tout va suivre. Tout va suivre, tout ça, je vous sais. Je vais faire quoi? Regarde, je ne vois même pas celle qui dit que je vais souffrir. Toi, quoi, tu t'es là. Tu me l'as, mais. Ta mère va te trouver le squelette, l'ombre de toi, dans la maison, c'est là. Fais-moi confiance. C'est ce qu'on va voir dans cette maison. Et quand papa est là, il veut faire comme si j'étais une bonne fille. Et quand il n'est pas là, il veut pourrir ta vie. Tu vas pourrir ma vie. Tu vas me nourrir, maman. Hein? Tu vas me donner à manger. Ne fais plus rien. Tu as compris, non? Comme ta mère a dit que tu ne touches plus rien. Ne fais plus rien. Assieds-toi, regarde ta télé, joue, fais tes jeux. Mais en nourriture, non. On va voir qui va pourrir la vie de l'autre. Il y a la bonne dans la maison, c'est là. Tu as oublié. Hein? Moi, je fais tout ça, c'est pour ton bien. Parce que tu dois être une femme demain, capable de laver son propre corps, capable de laver les assiettes, faire le ménage. Hein? Tu ne veux pas. Tu écoutes les conseils de ta mère qui te remplit la bouillie dans la tête. Vanessa, pardon. Parle tes idioties ici à celle. Tu as parlé le bon français. Idiotie. Tu as pris ça au Mako? Hein? Et, je vais tout voir. Donc comme ça, même le français, on t'apprend. Ah. Ok. Josie. Moi, comment on a parlé ça? Josie. Tantine Vanessa. Il te plaît, je vais le comprendre. C'est quoi? Tantine Vanessa, j'ai mal à la tête. J'ai froid. En tout cas, si moi je te donne les remèdes là, ta mère va venir aboyer cela que tu donnes le poison. Tu vas attendre ton père. S'il te plaît. Jusqu'à tu m'appelles ya tantine Vanessa. Comme tu veux les remèdes. Tu es malade. Tu m'appelles tantine Vanessa. Hey. Tu es sûr que tu es malade, Naël? Je suis malade. Attends, ça ne chauffe même pas. Couche-toi. Tu attends ton père. Viens chercher le gars. Attends ton père. Ton père va venir t'amener à l'hôpital. Est-ce que moi tu donnes quelque chose là? Après on va dire qu'il est empoisonné. La paix est bien. Reste là. Naël. Papa. C'est quoi? Je me sens pas bien. Je suis malade. Hein? C'est quoi? Je me sens pas bien.
Tu es malade, tu te sens comment? Il y a quoi? Tu as mal à la tête, mais tu ne chauffes pas. Tu... C'est quoi le truc? Ta mère est où? Vanessa est où? Qu'elle a dit quoi? Hein? Elle ne me donne pas les remèdes. Pourquoi? Je ne sais pas. Elle a dit, si je veux, je meurs. Quoi? Elle est là-dedans? Je sais pas. Vanessa! Vanessa! Oui, chérie! Chérie, chérie, chérie de quoi? Hein? C'est quoi ça? Viens ici! Je dis, tu vas me tuer l'enfant? Tu n'as pas vu que Naya était malade? Tu qu'elle t'attende? Pardon? Qu'elle fasse quoi? Qu'elle t'attende? Tu as dit que ma sorcière de mère vient me soigner. Que ta sorcière de mère fasse quoi? Viens te soigner. Tu suis les extensions que tu as dans ta bouche? Prenez ça. J'ai dit qu'elle t'attend, que ce n'est pas l'hôpital ici, que tu vas l'amener à l'hôpital. Il n'y a pas de premiers soins ici à la maison. Tu ne peux pas prendre l'éthéradin ou du doliprane. Tu administres d'abord l'enfant. C'est quoi le truc? Est-ce que je suis médecin? Pardon? Je sais que je vais lui donner quoi? Quand Mathieu est souvent malade ici, tu lui donnes les remèdes parce que tu es médecin? Qu'est-ce qu'il ne va même pas? Tu vas me tuer l'enfant? Je ne connais pas la santé de l'enfant. Je ne connais pas de quoi elle souffre. Donc je ne sais pas quoi lui donner. Tu ne sais pas quoi lui donner? Tu ne sais pas. Tu ne sais pas que quand l'enfant peut-être a une forte fièvre, même si elle ne chauffe pas actuellement, ça peut être à l'intérieur. Tu dois aller prendre quelque chose. Mais quand tu donnes la matériel, ça se passe bien. C'est quoi ça? Jusqu'à ce que tu as traité sa mère de sorcière. Elle ne chauffe pas. Ton problème est où si l'enfant te dit qu'elle ne va pas bien? Prends quelque chose, tu lui donnes. Mon bébé, attends, je viens. Attends, je viens. Et c'est quoi ça? C'est quelle sorcellerie ça? Tu penses que tu es normal quand tu fais ça? Ok. On est où là? Sorcière comme ça, c'est quand il t'a fait un temps, tu dois la sorcière. Tout ce que tu racontes à ton père, il était dit ça. Tu n'es même pas malade, tu fais les plans. Ce que tu n'es pas malade, c'est que tu es en train de faire dans la maison. C'est quoi ça? On est où là? Ça c'est quelle méchanceté? Après tu diras que tu as un cœur de mère. L'enfant est malade. Tu ne peux pas faire du doliprane comme j'ai fait là. Tu lui donnes. Bois mon bébé. Bois tout. Ça va aller, hein? Ça va aller. Papa? Oui. Attends, finis d'abord ça. Ta mère fasse quoi? Tu vas quoi? Tu sais, on n'ira pas à l'hôpital tout de suite. On va d'abord attendre, voir, qu'on t'observe un peu. Si c'est juste une fièvre, c'est les passagères. Tu veux que maman vienne ici? Que ta mère vienne ici, papa? Elle vient dormir avec moi. Dormir avec toi sur l'hôpital ici? Attends un peu, le problème à quel niveau? Si l'enfant émet une doléance, qu'est-ce que je t'ai dit dernièrement? Quand on m'a arrêté, on m'a amené en cellule. Ah, on avait dit quoi? C'est pour arriver là-bas. Attends, pour arriver où? Regarde même l'enfant chauffe véritablement déjà. Donc hein? Même boire les remèdes, elle chauffe déjà. Oh. Attends, mais je te dis, viens la toucher si tu veux. C'est quoi? Si elle a besoin de sa mère à ses côtés, où est le problème? Hein? Ton problème à quel niveau? Tu veux que j'aille même, que je finisse en prison? Monte ton enfant, tu l'amènes à l'hôpital. Ah, sa mère... Vous trouvez là-bas. Donc maintenant c'est mon enfant. C'est ça non? Ce n'est plus notre enfant, c'est mon enfant. Vu que tu dis que je vais faire du mal à l'enfant, que je vais tuer l'enfant. Mais toi-même l'enfant est malade, comment l'enfant est malade? L'enfant te dit qu'elle veut le comprimer, tu ne lui donnes pas les comprimés. Tu prétends que non, tu ne voudrais pas qu'on dise que... Sur quelle base? Quelle base? Ce n'est pas ton enfant. Tu es méchante hein? Ce n'est pas la méchanceté. Si! Plus les jours passent, plus tu me déroules ta méchanceté. On est où là? Qu'est-ce qui ne va pas? Hein? Et l'enfant, maintenant, l'enfant émet une doléance comme quoi elle veut voir sa mère. C'est de son droit. Si elle ne se sent pas bien et qu'elle trouve que non, peut-être ayant sa mère à ses côtés, tout ira bien. Où est le problème? Le problème est où? Hein? Tu veux quoi? Qu'est-ce qui ne va même pas? Je vais appeler sa mère, elle va venir. Hein? Qu'elle reste là avec lui, avec elle, même si elle doit dormir là, elle dort là. Où est le problème? On est où là? Donc, si moi je donnais le doliprane à l'enfant,
quelque chose arrivait. On avait dit que c'est moi la sorcière. Pourquoi tu penses que quelque chose devait d'abord arriver? Pourquoi? Pourquoi tu ne penses pas que ça pouvait la soigner plutôt? Quelque chose arrivait. Tu es une véritable sorcière, ça je dis ça. J'ai dit j'appelle sa mère. Sa mère vient rester là avec elle. Tu m'appelles quoi? Ce n'est pas l'hôpital ici. Il y a quoi? Si toi tu laisses à côté de l'enfant, il faut savoir que sa mère vient. Puisque tu n'arrives pas à assumer ton rôle de mère, il faut que sa mère soit là. Hein? Elle se sent seule, elle se sent orpheline de mère. Parce que tu te comportes dans cette maison comme son adversaire. Elle est malade, c'est à l'hôpital. Malade, c'est à l'hôpital. Du courage. Moi j'ai dit, sa mère vient. Et sa mère vient rester là. Soit c'est ma maison, soit c'est pas ma maison. On est où là? C'est quoi? C'est ça, non, ma mère va venir. Elle va dormir chez moi. Elle va voir la personne qui va calmer la chambre. Les choses que tu es en train de faire là, petite sorcière, les choses que tu fais là, tu n'es même pas malade. Je ne suis pas la sorcière. Tu n'es pas malade, tu fais les plans. Quand tu fais les plans, c'est ton problème. Ok, bébé Nayel, je vais rapidement à la pharmacie. J'ai appelé maman. Elle arrive. Je vais à la pharmacie, là, je te prends les médicaments et je reviens. Sa mère arrive. C'est bon, maman arrive. Pas dans ta chambre. Toi, oui, toi qui me regardes, toi, oui, toi qui apprécies ce que je fais, t'es-tu déjà abonné? Si ce n'est pas le cas, lis juste en bas. Tu vois le nom, Rob le Grizzly fait son signe. Va et tape ça sur YouTube et abonne-toi. Merci. Mon bébé, ça va bien. Ton père, là, même depuis, là, il est seulement parti dans quelle pharmacie? Jusqu'à présent, il n'est toujours pas de retour. Donc, si je n'arrivais pas là, pour te donner encore un peu de remède là, c'est que c'est grave. Mais ta fièvre baisse déjà quand même. Et je pense que je vais même dormir ici avec toi pour observer comment tu vas se comporter toute la nuit. Tu vas dormir où? Tu poses des questions à qui? Ce n'est pas l'hôpital ici là, madame. Et? Va te coucher avec ton enfant à l'hôpital. Où tu l'amènes chez toi? Vanessa, je ne demande pas ta permission. Et t'as dit que ce n'est pas l'hôpital ici. Je vais dormir ici, avec mon enfant. Que ça te plaise ou pas. Tu prends le courage là-haut. Oui. Puisque tu dis que tu vas dormir ici, parce que tu as l'enfant ici. C'est ce qu'on va voir. Je t'ai dit que je vais dormir avec mon enfant. Pas mon frère, avec ton enfant chez toi. Donc je ne suis pas là pour me discuter avec toi. Amène l'enfant à l'hôpital. C'est même une histoire de quoi? La coiffure. Et soit tu as mis les cheveux roses aujourd'hui, tu peux aussi faire comme les vraies femmes. Regardez-moi la chèvre, je vais dormir ici avec mon enfant. Tant que mon enfant ne se sent pas bien, même si ça prend une semaine, un mois, je serai là aux côtés de mon enfant. Parce que tu n'as pas de maison. Je te rappelle que cette maison, avant d'être tienne, elle était mienne. C'est toi-même qui venais prendre le loyer ici, alors que derrière tu graguais mon homme. Et tu penses que subitement aujourd'hui, je vais te laisser facilement. Tu as ta part à côté. Tu mens. Et dis à Cristal, tu te prends même pour qui? Pour Cristal. Hein? Je suis Cristal. Si tu ne le savais pas, je te le répète. Ce n'est pas le chez toi ici là. C'est le chez moi. Le chez le père de mon enfant, c'est le chez moi. Qui t'a menti? C'est la maison de ma fille. De ta fille? C'est ma maison. De ta fille? Oui. Porte ton totem là, tu sors avec. Je t'interdis de traiter mon enfant. Tu n'as pas à m'interdire chez moi. Ce n'est pas le chez toi ici là. Va faire les interdictions là chez toi. Tu m'attends chez toi. Pardon, je ne suis pas là pour échanger avec toi. Je gaspille de mon énergie. Je suis en train de perdre du temps à bavarder avec toi. J'aime mieux à faire. Accorde-moi du calme. Mon enfant a besoin du silence. Quel silence? Quel silence? Oh, papa, hein. Vous voulez le silence, non? Allez faire votre silence là-bas. Pardon. J'attends Ross. Je ne suis pas venue pour toi. Je n'ai pas fait l'enfant avec toi. Donc, je n'ai pas échangé avec toi. J'échange avec celui avec qui j'ai eu l'enfant. Pas avec toi. Tu n'es pas une compagnie. On t'appelle. L'enfant n'est même pas de compagnie, quelque chose comme ça, parce que compagnie même, c'est grossi. Compagnie.
tout cas, reste à attendre ton robe. Mm-hmm. Tu pensais d'abord pourquoi? Que je devais aller l'attendre dehors. Et attendre ton robe. Jusqu'à me dire que t'es là, la vie, t'as ici là. Il m'a loué une histoire. Moi, tu sais, je faisais un plan, mais je ne suis pas malade. Ok. Tu n'es pas malade comment, Naïe? Je ne suis pas malade. Je faisais un plan. Et maintenant, je veux que tu viennes dormir avec moi. La femme, si. Tu es terrible. Attends un peu. Non, tu es intelligente comme ta mère. Donc, c'est parce que tu voulais qu'elle vienne dormir ici que tu as fait semblant d'être malade. Donc, tu n'es pas malade. Tu es sûre. Je suis pas malade. Ne fais pas comme ça alors que tu es vrai, vrai malade. Maman, tu dis quoi? Moi, je suis pas malade. Il est remède que ton père t'a donné. Tu buvais ça pour toi. Je buvais ça pour moi. Je suis malade comme ça. Hé, hey, Marielle. Non, ma fille. Ton cerveau tourne comme celui de ta mère. Non, c'est vrai ce qu'on dit. Le chien n'accouche pas le chat. Tu es vraiment la fille de ta mère. Maman, tu sais, c'est quand je l'ai appelé, la mère a attendu un vrai chien. Donc ton plan jusqu'à tu as recommencé à l'appeler ta petite Manessa. Oui, ou bien c'était. Oui. Ok. Bon, comme ton père alors parti à la pharmacie là, il faut que quand il rentre, que je lui dise là que je t'ai déjà donné d'autres remèdes et qu'on va d'abord observer comment ça va réagir dans ton corps pour que tu ne boives plus de remèdes parce que ça peut te créer autre chose et c'est pas bien. Tu as compris? Oui. Il y a des plans qu'il ne faut pas faire. En tout cas, on attend ton père. Ouais, ma fille, non. Avec toi, non. Je sais que ta mère va récupérer son foyer.